Allô mes amis, ici Myriam Kaiser. Je suis avec vous parce que je suis, comme vous, à l'écoute de cette nouvelle qui circule depuis quelques jours sur les médias, dans les médias, de cet enfant qui est décédé. Qui est décédé suite à des mauvais traitements. Une enfant de 7 ans. Et vous savez, je viens tout juste de sortir ma propre biographie, Otage du silence, qui raconte l'enfance horrible que j'ai vécue. Et je ne suis pas la seule cette année qui a publié un ouvrage, une biographie pour raconter son enfance. Une enfance aux mains de gens, aux mains d'adultes, qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils font. Ce soir, je retiens mes larmes quand j'écoute le décès de cette petite fille. Je retiens mes larmes. Il y a une résonance, évidemment. Il y a une résonance de l'enfant que j'ai été, sans mots, sans voix, qui n'était pas capable de nommer, qui n'était pas capable de crier, qui n'était pas capable d'aller chercher l'aide. Mes amis adultes, ce n'est pas parce qu'on est en âge ou en mesure de procréer qu'on a ce qu'il faut pour être des parents. Être des parents, c'est une immense responsabilité. Être responsable des enfants, c'est immensément quelque chose qui demande de la conscience. Les enfants qui sont mal traités, les enfants qui sont mal pris soin, les enfants qui ont un mauvais départ, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des adultes qui vont passer leur vie à lutter, qui vont passer leur vie à mettre plus d'énergie à l'intérieur d'eux pour trouver leur équilibre, pour trouver l'espace. Où les choses doivent redevenir fluides. Ils vont mettre plus d'énergie là qu'à contribuer. Et ça, c'est grave. Moi, j'espère que mon message ce soir va être entendu par les décideurs, par ceux qui ont le pouvoir. Il va falloir qu'avant de penser à l'environnement, avant de penser aux chiens et aux chats, avant de penser à plein de choses, on pense à nos enfants. Parce que l'environnement, parce que l'avenir de cette planète est basé sur nos enfants. Les enfants qui doivent avoir un départ décent. Je ne demande pas un départ parfait. Il n'y a pas de parents parfaits. Mais il y a des parents qui doivent être conscients de la responsabilité, l'habileté qu'ils ont de répondre pour ces êtres qui sont dans leurs mains. Je ne peux pas passer sous silence cet événement-là. Cet événement-là en est un parmi tant d'autres, parmi beaucoup trop d'autres. Et moi, je suis ici devant vous parce que j'ai été un enfant maltraité, parce que j'ai été un enfant abusé, parce que j'ai été un enfant qui a eu un très mauvais départ dans la vie. Et aujourd'hui, vous me voyez avec peut-être beaucoup de force, mais si vous saviez le temps que j'ai mis et que je mets encore pour trouver mon espace d'équilibre et de guérison, ce temps-là, je ne l'ai pas pour contribuer. Cette énergie-là s'épuise pour rien. Nos enfants, on doit leur donner le minimum. On doit leur donner la présence. On doit leur donner. Et si, comme parents, on n'a pas ce qu'il faut, il faut demander de l'aide. Et notre société se doit de mettre une priorité sur ça. Je suis bouleversée quand j'écoute des histoires comme ça. Je suis profondément blessée et en résonance. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Et cette histoire-là nous parvient parce qu'il y a eu mort. Mais toutes les histoires où est-ce qu'il n'y a pas de mort, mais qu'il y a des enfants qui sont abusés, qui sont tués, qu'on réduit au silence, qu'on invalide, tous les enfants qui vont devenir des adultes sans la compassion des grands.
Tous ces enfants-là vont devoir se prendre en main, mais à quel prix? On est des adultes. Si vous avez des enfants dans votre environnement, je vous demande de regarder. Ce qu'on donne à nos enfants va devenir ce qu'ils vont être comme adultes. S'ils vivent dans la méfiance, c'est ça qu'ils vont apprendre. Un enfant, là, ça vient au monde avec une dimension. Ça n'a pas la capacité de rejeter hors de lui. Ça n'a pas la capacité de dire c'est son problème, ça lui appartient. Ça n'a pas cette capacité-là. Ça a une seule dimension, un enfant. Et un enfant, quand l'environnement est malsain, quand l'environnement est inadéquat, il se pense malsain, il se pense inadéquat. Et ça, ça va demeurer. Et plus tard, peut-être qu'il va être capable de remettre les choses en perspective, mais au prix de lutte, ça ne sera pas instantané. Ça, c'est tissé dans ce qu'il est, dans son être. Ça devient une part de lui. Et défaire ce tissage-là, c'est un long processus qui demande une somme considérable d'énergie. Et cette énergie-là n'est pas mise à la contribution, n'est pas mise à la mission de vie, n'est pas mise sur ce là où il faudrait que ça soit mis. C'est extrêmement important, comme adulte, de réaliser ça. Je ne pouvais pas ne rien dire. Ça fait plusieurs jours que ça circule dans les médias, cette petite fille-là, hein, dont on avait avisé les ministères. On savait qu'il y avait un problème. Mais on voit ça comme un dossier parmi tant d'autres. Non, c'est notre avenir. Puis il y en a trop d'enfants. Il y en a trop d'enfants qui n'ont pas ce qu'il faut. Ils n'ont pas la base de ce qui fait un être. Ils n'ont pas la validation. Ils n'ont pas les soins de base. Moi, ça me perturbe profondément parce que j'en suis. Je suis de ces enfants-là qui ont perdu leur enfance, qui ont perdu leur innocence et qui ont perdu une partie de leur vie parce qu'ils doivent lutter avec ce passé-là pour pas que ça subjugue toujours le présent. Moi, j'ai envie de vous dire, mes amis, si on n'est pas capable de mettre nos enfants au centre, si on n'est pas capable de développer notre pleine conscience de l'importance de faire attention à nos enfants, on n'a rien compris. On peut s'occuper du sort des animaux, on peut s'occuper du sort de notre planète, on peut s'occuper de beaucoup de choses. Mais si on n'a pas compris que nos enfants sont notre avenir, on n'a rien, absolument rien compris. Moi, je suis un de ces enfants qui lutte encore aujourd'hui pour effacer tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on m'a fait. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Otage du silence ». Et dans ce livre-là, je ne fais pas juste un récit. Je ne vais pas juste raconter l'horreur. Je dis aussi à quel point l'enfant qui vit en hypervigilance développe quelque chose qui est de l'ordre de la méfiance. Il développe quelque chose qui l'amène à être ultra sensitif, ultra sensible, ultra attentionné à son environnement. Et pendant que ça l'absorbe toute son énergie, il n'est pas en ouverture du cœur, il n'est pas en don. Il n'est pas en train de contribuer, il est en train de survivre. Et ça, c'est une perte immense. Et je veux utiliser la plateforme que j'ai pour éveiller quelque chose. Vous savez, on met en place des mouvements MeToo, on met en place des dénonciations d'abus, hein, comme adultes. Mais qui parle au nom des enfants? Ces enfants-là ont besoin de porte-voix, ont besoin qu'on en fasse une priorité. Et si ce que je vous parle vous interpelle personnellement parce que vous avez été un enfant qui a manqué de l'essentiel, à petite ou grande échelle, je vous demande de partager. Moi, j'aimerais que mon message se rende aux décideurs parce que présentement, on est à regarder plein de choses au niveau du gouvernement. On a un nouveau gouvernement qui est très actif, hein? Au niveau de l'intégrisme, au niveau des écoles clandestines, au niveau des écoles primaires. Mais ils ont besoin d'être interpellés par nous, le peuple, au niveau des enfants. De l'importance d'outiller les parents pour donner le minimum à leurs enfants, pour leur permettre de se développer sans être tout le temps en lutte, en guerre, sans être tout le temps en méfiance et en contraction.
C'est la base. C'est avec un gros mâton dans le cœur, dans la gorge, que j'ai décidé de faire ce petit coucou-là, parce que cet enfant qui est morte, alors qu'on savait que ses parents étaient inadéquats, qu'on savait que sa famille élargie ne faisait pas ce qu'il faut, hein? Mes amis, c'est important d'avoir des yeux, mais c'est important d'avoir une conscience. Chaque fois que vous rencontrez un enfant, vous êtes une personne qui contribue à l'avenir de cet être-là, à ce qu'il va devenir. Et c'est long. Même si c'est court une vie, c'est long quand c'est une vie de lutte et de souffrance. Si vous pouvez faire quelque chose pour un enfant sur votre route, s'il vous plaît, faites-le. Validez-le. Faites-le sentir important. Donnez-lui de l'amour. Il y a des enfants qui grandissent sans amour. On ne peut pas se construire comme ça. Je vous laisse en vous disant, il faut éveiller notre conscience. Si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, Otage du silence, c'est mes 20 ans de captivité, alors qu'on savait qu'il y avait des enfants qui étaient maltraités, alors qu'on savait qu'il y avait des enfants qui étaient otages, alors qu'on savait que des enfants étaient abusés dans toutes les formes. Aujourd'hui, moi, j'ai une voix pour témoigner. Tout le monde n'a pas la résilience, les facteurs pour émerger. Mais moi, je vais utiliser ma voix pour leur en donner une. Je vous remercie de m'avoir entendu et j'espère que je vais éveiller une étincelle de conscience. Au plaisir.